bon son pour débuter cette chronique de Matasport avec cette spéciale Cannes. Bonjour Mamad Bour. Bonjour. On va commencer donc avec la finale de la Cannes. C'est la première fois dans l'histoire des deux nations que les deux équipes s'affrontent à ce stade de la compétition. Nigeria, trois fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, deux fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils s'étaient affrontés en phase de poule et rappelez-vous, le Nigeria l'avait emporté 1-0. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre match entre une équipe de Côte d'Ivoire, sélection, on l'a dit, qui a échappé par trois fois et qui est sortie toujours par un trou de souris. On pourrait dire c'est une équipe miraculée. Chanceuse. Changement. Il faut toujours de la chance quand vous êtes sur un tournoi. Rappelons également, mais la chance, vous la provoquez. Parce qu'il faut la provoquer. Sur le reste du tournoi, il n'était pas évident. Ils étaient au fond du trou. Sur un plan psychologique, qu'est-ce qu'il y avait à faire? L'entraîneur a démissionné. Faé, lui, a su recomposer une équipe, mettre en place une équipe compétitive. Ils ont sorti le détenteur du trophée, en d'autres termes, les Lions de la Teranga, le Sénégal. En huitième de finale, le Mali, c'était un derby en quart de finale, et la République démocratique du Congo. Rappelons que lors de la première phase, et c'est très rare qu'une équipe puisse réussir un tel parcours, ils avaient connu deux défaites. Alors, changement d'entraîneur, et sur ce match, on va écouter Emer Faé qui évoque justement le 11 de départ qui sera aligné pour cette finale. On a encore fait une réunion ce matin avec le staff, on a une petite idée de l'ossature de l'équipe qui va démarrer demain. Après c'est pas on a eu quelques pourvoirs qui sera apte, qui sera à 100%, parce que c'est important, c'est une finale. Je sais que tous les joueurs veulent participer à cette finale, mais on fera avec le staff un. Mais ce qui est sûr, c'est que nous on reste sur le même fil conducteur que depuis les huitièmes, c'est que c'est un groupe de 27 joueurs, c'est 11 qui vont démarrer. On va se concentrer sur nous, nos points forts, nos faiblesses et regarder comment on peut leur poser des problèmes. Et essayer de les mettre en danger, avoir la maîtrise sur le match, en étant patient au début. Ce que dit Faé, en d'autres termes, c'est que la Côte d'Ivoire va gagner avec l'ensemble des joueurs. Il n'y a pas 11 joueurs et des remplaçants, c'est tout le monde est concerné par le match et on l'a vu, son coaching a été à chaque fois un coaching gagnant. Haller, qui s'était distingué, qui revient de loin Haller, il était blessé avec le Borussia Dortmund, rappelons également qu'il avait été atteint d'un cancer, il s'est soigné, il est revenu à la compétition, il était blessé avant d'arriver, d'ailleurs Gassé l'avait pris et il savait qu'il allait se remettre, et bien il a été l'homme de la qualification pour la finale face à la République démocratique du Congo. Il revient sur son équipe, sur le parcours de son équipe et il le résume très bien en disant plus rien ne peut les toucher puisqu'ils étaient éliminés déjà au premier tour et aujourd'hui ce n'est que du bonus. On revient de très loin, donc pour nous on n'a pas grand chose à perdre si ce n'est juste donner le maximum. On a eu la chance d'en avoir une seconde, donc à nous de ne pas la gaspiller, de donner le maximum, de n'avoir aucun regret surtout, et qui a je pense contribué à ces victoires-là, le fait de resserrer encore un peu plus le groupe, de savoir qu'on est passé proche d'un cauchemar, forcément ça aide à créer des performances comme celles qu'on a pu avoir. Alors je rappelle l'adversaire, le Nigeria, trois fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était la grosse énigme avant le début de la compétition, cette équipe du Nigeria qui recèle des individualités, mais qui sur le parcours avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations a montré des insuffisances, notamment dans l'animation défensive. Finalement, c'est devenu son point fort avec seulement 2 buts encaissés depuis le début du tournoi, mais également une attaque qui fait la différence. Lokman, Moses, Shungwizu et une équipe emmenée notamment par Victor Osimhen. Alors, ils avaient battu 1-0 la Côte d'Ivoire, but de victoire Osimhen. Le Nigeria qui a remporté le trophée en 80 contre l'Algérie, 3-0. Je le rappelle, c'est un mauvais souvenir. 94 également et 2013. C'est 8 finales dans l'histoire du Nigeria. Et je rappelle que la Côte d'Ivoire n'a jamais battu le Nigeria en phase finale de Coupe d'Afrique, puisque les deux sélections sont croisées 3 fois et 3 victoires pour le Nigeria. Les Nigérians qui ne jurent que par le sacre final. On écoute un entraîneur qui lui revient également de très loin. Il allait être licencié. Faute de pouvoir payer les indemnités de départ, il est resté. Et la suite, vous la connaissez. On écoute le Portugais, José Pezelo. Of course, a big game, one final, good atmosphere.
Bien sûr que c'est une grande finale, une très belle atmosphère et une bonne ambiance en sein de l'équipe. Je suis très heureux, les joueurs sont heureux pour disputer ce match de demain. On est prêt, mais on veut faire le maximum pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations qui est notre objectif. Voilà, remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle qu'hier, ça sera un 21h coup d'envoi. Et hier, l'Afrique du Sud s'est imposée après un match nul 0-0, pénalty 6-5. Les Bafana Bafana qui prennent la troisième place au classement. Émission spéciale autour de cette finale ce soir à partir de 21h. Merci beaucoup. Non, c'est pas terminé. Le jingle de fin pour la Coupe d'Afrique des Nations. On va aller sur d'autres résultats. Ce programme vous a été présenté par Mobilis. Mobilis, ensemble, construisons l'avenir. J'allais dire merci pour votre analyse, on va passer à la natation, si vous voulez. La natation, très bien, vous avez cette retombée sur vos pattes, il n'y a pas de problème, sur vos jambes, pour ainsi dire. La natation merci. Mondiale de grand bain à Doha, au Qatar, trois médailles, trois Algériens prennent part au mondial, Amel Mellih, Jawed Sayoud et Oussama Sahnoun. Entrée en lice ce matin de Jawed Sayoud sur sa course ou sur sa distance de prédilection, le 200 mètres 4 nages. Il est prévu, et donc il tentera de réaliser les minima pour les Jeux Olympiques de Paris. Sahnoun a opté pour une seule épreuve, le 50 mètres nage libre. Ça sera le 16 février, alors qu'Amel Mellih a engagé sur trois épreuves à partir du 15 de ce mois. Objectif pour nos trois nageurs, décrocher des minima pour Paris. On écoute le directeur des équipes nationales, Reda Zmouri. C'est un championnat du monde, donc ils nagent pour préparer éventuellement leur minima pour les Jeux Olympiques. Alors pour les minima pour les Jeux Olympiques, Jawed il est plus proche des minima sur le 204 nages. On espère qu'il va réaliser une bonne performance. Pour Sahnoun aussi, pour le 50 nages libre, sans oublier que Oussama, son record d'Algérie, il est meilleur que les minima A des Jeux Olympiques. Il faut qu'il réalise sa meilleure performance. Pour Mellih, elle est plus proche pour les minima B, en espérant qu'elle va réaliser une performance. Et puis également, on parlera d'athlétisme. Mohamed Ali Gouaned, qui remporte la finale B du 800 mètres au meeting de Liévin, avec à la clé un nouveau record d'Algérie, 1:45.35. Et puis, excellente performance au triple saut pour Telki Yesser, qui a sauté, ou qui a été mesuré à 17,18 m derrière Zango X-Fabrics. Le Burkinabé, 17,21 m. Excellente performance également pour Yesser Teliki. On retiendra ce soir, à partir de 14h, il y aura la finale dans la catégorie des 71 kg. Ça, c'est de la boxe. Mohamed Mokhlouf, qui est finaliste, c'est le seul Algérien sur les 5 demi-finalistes à s'être qualifié pour la finale du tournoi international de Stranja en Bulgarie. Et puis du football, un mot de football pour rappeler qu'hier, le CRB a battu l'Union Sportive de Souffle de buts à 1. Biskra s'est imposé devant la JS Saoura de buts à 1 dans un match à rebondissement. On retiendra également pour cette journée de championnat que le Mouloudia d'Alger reste seul leader et affrontera Ben Aknoun ça sera mardi prochain. Voilà donc pour l'ensemble des résultats sur la journée d'hier. Une journée également marquée par le match qui aura lieu aujourd'hui entre l'USMA d'Alger et le Paradou. À retenir que la JSK a battu Magra 1-0, le CSC a battu le Bayot 2-1, le MCO et l'ASO ont fait match nul 1-partout. Juste un mot pour rappeler que ça se joue, c'est pratiquement joué en Espagne. Le Real a battu Girona 4-0, le Bayern humilié par le Bayer Leverkusen 3-0 et en Angleterre, Liverpool reprend la première place grâce à sa victoire 2-1 devant Brighton.